que le mois de décembre touche à sa fin, il est quand même temps que je vous montre notre calendrier de l'Avent à mon mari et à moi, qui nous a été concocté par nos filles. C'est la grande qui est à l'origine de ce calendrier de l'Avent, et puis la petite l'a aidée dans la réalisation des petites décos, de pochettes, etc. Et voilà, comme c'était vraiment très très mignon, je voulais vous montrer dans chaque pochette. Désolée pour le bruit. Dans chaque pochette, elle nous a glissé une jolie petite étoile, comme ça on voit. Ah zut, je vois que son petit nœud s'est défait. Une petite étoile en bois avec un petit grelot. Normalement, tout ça est attaché ensemble. Et puis à chaque fois, on a un petit mot. Donc aujourd'hui, c'est aventure. On a un petit mot pour qui est censé s'appliquer à notre famille. Elle a mis des choses qu'on apprécie, ou des petits mots comme amour, partage, rêve. Puis des choses un peu plus c'est celui-ci, enfant, bah oui. Passion. Donc voilà, elle nous a concocté ça, notre cocotte, enfin idée de la petite. Et j'avoue que c'était vraiment vraiment très très mignon d'avoir ça, surtout le mois de décembre. Elle est trop mimi, cette loulou. Allez. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode du Vlogmas 2020. On va clôturer le mois de décembre. Je vous avais prévenu, je suis désolée, cet épisode arrive un petit peu plus tardivement que les trois précédents. Mais il faut dire que vendredi c'était Noël et que du coup j'ai été un petit peu occupée. Puis j'imagine que vous aussi vous aviez autre chose à faire que de regarder des Vlogmas le soir de Noël. Donc aujourd'hui on est dimanche 27 et il est temps de clôturer ce mois de décembre. Avant toute chose, je vais vous dire un immense merci, un grand merci à tous et à toutes, surtout des filles je crois bien, de m'avoir suivie pendant ce mois de décembre. Et puis d'avoir pris le temps, bien souvent, de laisser des commentaires tous plus gentils les uns que les autres. Enfin, j'ai vraiment énormément de chance parce que j'ai reçu là tout au long du mois de décembre des preuves d'affection, d'amitié assez incroyables. Et notamment dans les commentaires des vidéos YouTube, j'ai eu des retours qui m'ont fait vraiment vraiment chaud au cœur. Des petits coucou à droite à gauche, ça m'a fait super super plaisir et je crois que ça a largement contribué au fait que ce mois de décembre c'est si particulier s'est passé aussi bien que possible. C'est clairement un contexte vraiment étrange pour tout le monde cette année. Et alors chez nous, je rappelle que j'habite en Lorraine, à côté de Metz. Nous n'avons pas été particulièrement gâtés au niveau du temps. Je serai mauvaise langue, je dirais que c'est souvent le cas. Il faut pas avoir grand chose, faut pas en avoir après la pluie quand on habite en Lorraine, parce que sérieusement là au mois de décembre, et là encore aujourd'hui, c'est un petit peu dur pour le moral. Faut pas compter sur le temps pour nous réchauffer le moral en tout cas. Donc, les petits messages, les commentaires, les retours, même les likes et tout ça, je vais peut-être pas faire la course après tout ça, parce que tout ceci n'est que... un petit divertissement pour à la fois me faire plaisir et puis partager ma passion et tout ça. Mais voilà, clairement ça va pas devenir la course aux likes, aux abonnés et tout. Force est de constater que quand on a des retours positifs, ça fait vraiment vraiment chaud au cœur quoi. Donc encore une fois, merci à vous de m'avoir suivi pendant le mois de décembre et puis d'avoir pris du temps pour laisser
des petites marques de votre passage qui m'ont fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Attaquons par le tricot. Enfin oui, par quoi d'autre attaquer? De toute façon, ceci est un podcast de tricot. Hein, donc je le rappelle pour ceux qui seraient arrivés là, suite à une mauvaise manipulation, c'est tricot ici. Donc, pas grand-chose de neuf à vous présenter. Une fois de plus, mois de décembre, patati patata, hein, je pense que... Je commence à semer des morceaux. Bon, tout va bien, c'est un compteur de rang. C'est pas trop grave. Alors, nous reparlons de ce futur magnifique pull qui est le Pink Velvet de Andrea Mori et qui est tout en berlificoté. Un magnifique pull donc avec un yoke en jacquard que je tricote dans des laines de chez Maison Corps Laine. Pour le coloris principal, c'est leur BFL en coloris anamé et pour le coloris contrastant, c'est le mélange suri. Bon, j'ai donné toutes les références à l'épisode d'avant et puis je pense que je les remettrai dans la description de la vidéo. Voilà, donc la dernière fois que je vous avais vu, je venais de faire la séparation du corps et des manches. Je me suis bien lancée là dans la première manche et puis ensuite on est arrivé vraiment aux alentours du 20 décembre et là, j'ai plus réussi à suivre. Il y avait beaucoup trop de choses à préparer ici. Même si on a fait un Noël en comité plus que restreint, le 24 au soir, seulement nous 5, et le 25 avec ma sœur, mon neveu et mon papa, ça fait quand même moins de monde que d'habitude et moins d'événements. Mais bon, il y avait quand même des petites choses à préparer. Et voilà. Donc un temps de tricot moindre. J'ai quand même bien avancé sur cette petite manche et j'avoue aussi que j'ai plutôt travaillé sur mon autre projet que je vais vous montrer après puisqu'il faudrait que je le termine avant la fin du mois de décembre. Donc voilà, mais je pense que ça va être pas trop mal tout ça. Hein, alors comme je l'avais rappelé la dernière fois, c'est un modèle crop. Et manche 3 quarts, je vais faire des manches longues et je pense un corps un petit peu plus long que ce qui est prévu par le modèle. Je tricote la taille 3 et je tricote en aiguille 3,5. Voilà, que vous dire de plus? Ah tiens, ça va bien avec cette petite bague. Bah, c'est mes couleurs. Hein. Que voulez-vous, c'est mes couleurs. Rien de particulier à signaler. Si je trouve que les manches sont très fitées, ce qui est le cas dans le modèle. Du coup, bon, j'espère que. Bon, après, je sais que mon échantillon avait légèrement bouger au lavage blocage, donc je pense que je vais récupérer un tout petit peu d'aisance au moment du blocage. Non, ça sera très bien, ça sera très bien. Donc voilà pour ce premier projet. Oui, non, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire dessus. Ce qui n'est pas le cas de l'autre projet que je vais vous présenter et que pareil vous avez déjà vu, qui sont les chaussettes Noël d'antan. C'est pas terrible quand elles sont pas encore lavées, pas encore... Hein, on a du mal à présenter cette chose quand même. Non, c'est pas mieux. Alors, voyons voir. Et puis quand il reste encore les fils à rentrer. Hop. Ouais, allez, c'est pas mal. Rentre là-dedans, petit fil. En plus, alors, il fait vraiment, vraiment pas beau, mais la nuit est déjà en train de tomber, donc... Voilà,
Alors, Noël d'antan. Chaussette, c'est un modèle de Élise d'Amour Design. Modèle qui m'a été très gentiment offert par ma copine Kathleen. Que je prends beaucoup de plaisir à tricoter, même si, je vous dis, là, je vais avoir des choses à vous raconter. Donc, ce sont des toe-up, c'est-à-dire qu'on les commence par la pointe et qu'on remonte jusqu'à la tige. Première partie, jacquard, aucun problème. Ensuite, on tricote tout le pied, aucun problème. Le talon, c'est un talon en German Short Rose. C'est un talon spécialement designé par la designeuse. Donc, pas de soucis particuliers. Je vous disais la dernière fois que je trouvais que le rendu était peut-être pas aussi net que dans d'autres talons que je fais, mais voilà. La dernière fois qu'on s'était vu, je m'étais arrêtée là et je devais donc faire la petite tresse laitonne qui est ici. C'est relativement simple à faire. C'est même très simple à faire, aucun problème. Et c'est ensuite que les soucis ont commencé. Donc, disclaimer, j'ai un très fort coup de pied. Donc, je le sais, ce qui fait que pour certains modèles de chaussettes, quand il y a un motif, principalement quand il y a un motif qui se poursuit, donc ici au niveau du coup de pied, il faut que je fasse très attention à ma tension. Si c'est trop serré, c'est clair, je ne passe pas mon pied dedans. Là, donc il y a une partie en jacquard sur la tige. Et j'ai refait cette partie-là, je pense au moins 5 fois. Donc je suis arrivée là, j'ai attaquer mon jacquard en tricotant assez lâche, pas de soucis particuliers. Quand je suis arrivée au bout du motif, et ben j'ai essayé de passer mon pied dedans, ça ne fonctionnait pas. J'ai donc détricoté et j'ai recommencé avec une taille d'aiguille au-dessus. Enfin une demi-taille d'aiguille au-dessus. Parce qu'avec vraiment une grosse taille, donc je recommence avec une demi-taille d'aiguille au-dessus. Je refais ma partie seulement donc du jacquard, des petites baies de houx, là, ces petites nappes. Toujours en tricotant assez lâche. De nouveau, absolument impossible de passer mon pied dedans. Troisième étape, j'ai pris carrément une taille au-dessus. Ouais, j'ai dû passer en 3. Alors non, j'ai dû passer de 2,5 à 2,75 à 3. Et là, le tissu était vraiment tout moche. On voyait mes fils qui passaient derrière. Et je ne passais toujours pas mon pied dedans. Donc, ça m'a vraiment, vraiment kikiné. J'ai donc tout redéfait encore une fois. Et après, donc, pour terminer, j'ai tricoté avec une demi-taille d'aiguille en enlevant la partie des petites baies de houx au jacquard. Et dans un second temps, je suis venue crocheter des petites baies comme ça à rajouter. Alors, bon, il y a des endroits, c'est bien, mais je ne les ai pas encore fixées vraiment. Je ferai quelques points pour qu'elles se tiennent bien. Vous voyez, celle-ci, elle est de traviole, donc il faudra que je la remette correctement. Elles sont pas encore fixées, elles sont juste nouées facilement, enfin voilà, rapidement comme ça, mais pas... Donc ça m'a bien pris la tête, d'autant plus que j'ai oublié de vous dire quelque chose, parce que je me dis, bah non, finalement j'ai recommencé que 3 fois, avec des tailles d'aiguilles différentes, mais non, en réalité je l'avais d'abord tricoté une première fois, en me trompant dans la taille. En fait, je vous explique, il y a 3 tailles pour ces chaussettes. Et pour la grille de jacquard qui concerne cette partie, il n'y a qu'une seule grille de jacquard. Ici aussi, en fait, pour 2 tailles, c'était la même grille de jacquard. Ce qui fait qu'arrivé là, ne voyant qu'une grille de jacquard, j'ai attaqué mon truc en suivant la grille et arrivé au bout, bah, ça ne correspondait pas au niveau des mailles. Parce qu'en fait, il faut regarder dans les explications écrites, et dans les explications écrites, c'est bien mis que
il faut rajouter 2 mailles supplémentaires pour ma taille, la taille que moi je tricote, en plus de la grille jacquard. Donc j'avais déjà refait ça. Et après, je l'ai refait une deuxième fois, donc en faisant attention dans les premiers rangs, mais en me retrompant à un autre endroit où je n'avais pas rajouté, puisque je suivais la grille jacquard, je n'avais pas rajouté ces 2 mailles. Donc, c'est pas un problème du patron qui, à côté de ça, est vraiment top, très bien détaillé, plein de techniques, avec des liens vidéo et tout ça. Peut-être juste qu'il aurait fallu faire 3 grilles de jacquard pour les personnes un peu blondes comme moi. Enfin, je, franchement, à ma décharge, je suis quasi persuadée que c'est arrivé à d'autres personnes. Hein. C'est obligé. Comme avant, tu as fait cette grille de jacquard et qu'elle correspondait à plusieurs tailles, quand tu arrives ici, bêtement, moi j'ai continué en suivant juste la grille, quoi. Donc voilà. Donc, ouais, donc je trouve que bon, mes petits machins là au crochet, bah, ça fera bien le job. Et puis alors, le jacquard ici, là par contre, aucun problème, je passe mon pied. Mais je pense que c'était le fait qu'il y ait à la fois du jacquard et à la fois des nopes. Et que les nopes, si on les serre quand même pas suffisamment, ça fait des trous quand même entre le moment où vous avez fait la nope et la maille d'après. Et puis bon, de toute façon, il n'y a rien à faire et ça je le sais, j'ai un très fort coup de pied et vraiment il y a des modèles pour lesquels c'est quand même compliqué de passer mon pied dedans. Donc voilà. Ensuite, on continue par une deuxième tresse laitonne, mais inversée par rapport à la première. Donc de nouveau, pas trop de difficultés. J'ai fait quelques rangs de côte 1-1 torse et un rabat. J'ai suivi le tuto qui a été posté sur le compte YouTube de Maëlys des mailles et des aiguilles. Et ben je vous le mettrai en lien en dessous. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir. Je trouve que ce que c'est le problème, c'est pour ça que je n'aime pas tricoter les chaussettes de la pointe vers le haut, c'est que je trouve que quand on fait le rabat ici, il faut à la fois que ça soit élastique, toujours ce problème de pied à passer dedans. Et à la fois, il faut que ça ait quand même un minimum de tenue. Donc généralement, je sais pas, j'avais essayé le Judy's Magic Bind-Off. Ah oh. Parce que ça doit être un Judy's Magic Cast-On. Alors peut-être c'est autre chose, mais bon. J'en avais essayé un autre et alors vraiment, ça faisait moche quoi. Vraiment pas beau du tout. Je pense que... Alors oui, je vous montre quand même la deuxième. Qui est juste ici. Donc je vais bientôt arriver à la partie de jacquard qui va du coup à la première tresse laitonne, je vais arriver. Et puis donc la partie de jacquard qui va être du coup beaucoup plus simple, hein, vu que j'en enlève toute une partie. J'ai fait des nopes au crochet que j'ai accroché ensemble. Voilà. Si d'autres rencontrent le même problème que moi de coup de pied qui ne passe pas dans la chaussette, ça peut être une alternative. Je vais peut-être vous parler des laines quand même, hein, ça serait bien. Le coloris principal, Socquier de chez Koupnitz, coloris quartz. Et les deux contrastants, le bruit des aiguilles. 85-15, coloris rouge, Madame Guillotine Yarns, BFL Platinum Sock, coloris teal, c'est bien ça. Je pense que je vous ai tout dit, mais c'est vrai que c'est un beau modèle. Finalement, les techniques ne sont pas si difficiles que ça. Enfin, et puis, c'est agréable, c'est ce que je disais quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment vite envie de faire le jacquard, puis revenir sur la tresse laitonne. Enfin, comme les parties s'enchaînent, ça donne vraiment envie d'arriver à la partie suivante, donc on les tricote assez vite finalement. Mais bon, cette partie de jacquard, pour moi, située à cet endroit-là, ça n'allait pas. Et puis, il y a beaucoup de fils à rentrer. Et ça aussi, n'aime pas la pipi, je rentrais les fils. Que voulez-vous ? Je n'aime pas faire des coutures en tricot et je n'aime pas rentrer les fils. J'aime pas trop faire des échantillons non plus. Qu'est-ce que j'aime pas encore ?
Moi, j'aime rien, en fait. Donc, voilà pour ce que j'ai en tricot. Vous voyez, ça ne va pas chercher bien loin. Mais, voilà, j'étais un petit peu occupée ces derniers temps. Je vais avoir des choses à vous montrer parce que j'ai été bien gâtée. J'ai été vraiment bien gâtée ces derniers jours. Et je pense que vous l'avez déjà vu au début de la vidéo. Mais regardez-moi cette petite merveille. Alors, un petit bol à pelote. Hop. Moi, celle-là, elle est peut-être un petit peu grosse encore. Hop, puis que vous coincez là, puis après vous tirez votre pelote. Ça évite que votre pelote roule sur le sol et que votre chat lui court après. Je parle d'expérience, pensant que c'est une invitation à jouer, alors que ben non, pas du tout. Alors cette petite merveille là m'a été offerte par ma copine Aurélie, du tricoté de Metz, voilà, qui a voulu nous remercier, enfin plusieurs de ses copines, à la fois du tricoté de Metz et puis de teinture, ben, Madame Guillotine comme teinturière et Woula Whoops comme teinturière aussi, en nous offrant ce magnifique cadeau qu'elle a fait faire par un artisan du 54, donc près de chez nous. C'est la tournerie Blackwood. Et franchement, il est vraiment magnifique. C'est... Aurélie, elle a eu une année un petit peu particulière et difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en plus du contexte sanitaire et tout ça. Et puis, elle a pensé qu'on l'avait accompagnée pendant cette période-là. D'une façon qui l'a... aider. J'ai pas eu l'impression de faire grand chose à part discuter un peu avec elle, mais voilà, donc elle a tenu à nous remercier, ce qui était super émouvant. Et puis c'est hyper symbolique parce qu'en fait pour réaliser ces petits bols, on en a chacune reçu un. Le monsieur qui les a réalisés, l'artisan qui les a réalisés, a utilisé du bois qui vient d'un noyer, donc toutes du même arbre. C'est un superbe objet, ça m'a énormément touchée, donc puis je m'y attendais pas du tout en plus, parce qu'elle avait dit qu'elle allait nous envoyer une carte de vœux pour Noël. Alors on a reçu une carte de vœux en 3D, hein. C'est une carte de vœux, vraiment on ne s'y attendait pas, et voilà, c'est un magnifique objet, puis qui en plus va être très utile, et puis c'est hyper symbolique quoi, du coup ça va forcément me rappeler un peu des choses qui se sont passées cette année. Donc voilà, donc Aurélie, si tu passes ici, je t'embrasse très très tendrement et encore un immense merci. Je me sens bien chanceuse. Premier cadeau. Deuxième cadeau, nous avions organisé un swap de Noël pour les copines du tricoté, les copines avec lesquelles on est resté un petit peu en contact pendant le premier confinement, puis le deuxième confinement. C'est notre copine Aurore qui avait suggéré qu'on fasse ça, et c'était une super bonne idée. Alors pas forcément évidente parce que bien, comme les salons étaient annulés, comme on était confinés, on ne pouvait pas trop aller faire les boutiques, il a fallu se creuser la cervelle pour trouver des petites choses pour nos swappés. Donc moi j'étais le Père Noël de ma copine Hélène. Et j'espère qu'elle a été... Enfin, je pense qu'elle a été contente puisqu'elle m'a remerciée depuis. Donc, c'était très chouette de trouver des petites idées de choses à lui glisser dans son colis. On avait quelques contraintes, pas dépasser un certain budget. Et la moitié de ce budget devait être dédiée à de la laine. Après, le reste, on avait des petites idées de ce qu'on pouvait mettre, mais on était assez libre. Et moi, mon Père Noël secret, justement, c'était Aurore. Et alors, j'ai reçu une magnifique boîte
Et je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu, mais il y a vraiment des choses qui m'ont super touchée, donc je voulais les partager avec vous. Je vais vous montrer la partie tricot, quoi, hein. En fait, Aurore, donc j'ai eu des anneaux marqueurs, une bougie, une petite trousse, du thé, des gâteaux, des petits post-it très jolis, un petit carnet pour noter mes projets tricot dedans, un petit peu de lessive pour la laine, fil d'art avec Laine & Co. Donc voilà, à tester, j'avais jamais testé. Et puis, elle nous a tricoté pour tous les membres de la famille une petite moufle à accrocher dans le sapin. Alors, je les ai pas encore mis parce que je voulais vous les présenter. Et j'avoue que je pense que notre sapin va bientôt se faire la malle, être rangé. Chaque année, c'est pareil. Je suis autant impatiente de le sortir et de l'installer que de le ranger quand arrive fin décembre, début janvier. Mais je pense que pour l'année prochaine, je ferai une petite déco, comme une sorte de guirlande avec ces magnifiques petites moufles. Donc voilà, chaque membre de la famille en a une. Donc le travail que ça représente. Donc j'ai été... on a tous été super touchés en fait. Parce que j'ai déballé mon cadeau avec tout le monde qui me regardait pour voir ce que j'avais comme cadeau. Et quand ils ont su qu'il y avait quelque chose pour eux, ils étaient tous aussi, ils étaient tous quand même bien contents de qu'on ait pensé à eux, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits trucs, les petits cadeaux. Les nœuds, j'ai aussi reçu. Oh. Alors elle m'a offert plein d'anneaux marqueurs dans une autre... Je vais être obligée de tout vous montrer en fait. Et donc plein d'anneaux marqueurs, mais notamment... Alors on va essayer sans le reflet, ça sera beaucoup mieux. Regardez-moi ces petites moufles de chez Woolbags. Woolbags, c'est vraiment la créatrice chez qui je me retiens de ne... Enfin, c'est pas que je me retiens, mais pour l'instant, j'ai pas de bonne raison. Faut-il une bonne raison, ceci dit ? Bref, je craque sur ces sacs à projet, vraiment. Notamment celui... avec le tissu de Alice au Pays des Merveilles. Puis à chaque fois, je me dis, bon. Donc un jour, peut-être. Donc voilà, en attendant, j'ai ces petits anneaux marqueurs. Ces petits anneaux marqueurs magnifiques. Et puis la laine, mes amis. La laine, ça c'était pareil. Une merveille. Une véritable merveille. Donc une laine de chez Squirrel Yarns. C'est sa noisette fingering 100% Merino Superwash. Et le coloris, c'est fruit du hasard. Et... bon, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement. Entre le rose... C'est trop clair en fait, la luminosité est pas parfaite pour vous le montrer, mais entre le vieux rose et puis avec des teintés un peu comme ça de violet, de bleu en sous-ton, c'est magnifique, franchement elle est de toute beauté. Donc ma foi, il va falloir réfléchir à un petit accessoire, je pense, hein. Ça fait aussi une magnifique couronne, je pourrais sortir comme ça. Écoutez, j'étais... Alors en plus, il y avait une magnifique bougie dans le paquet qui sentait divinement bon, donc la laine sent divinement bon à présent. Donc je fais partie de ces personnes qui se frottent la laine dans le cou, dans le visage, etc. Et sniffent leur laine, tout le temps. J'espère que vous aussi, sinon je vais me sentir très seule. Mais voilà. Donc, Aurore. Pareil, un immense merci. Parce que là, j'ai été super, super gâtée. Et puis, c'était marrant parce qu'on a tout ouvert nos colis le 25. Toute la journée, on a vu les merveilles que les unes les autres avaient reçues.
Et à chaque fois que les filles montraient les écheveaux qu'elles avaient reçus, je me disais, mais dans le mille, c'est pile poil les couleurs que je sais qu'elles aiment, etc. Et bah moi, c'est pile poil les couleurs que... En fait, on m'aurait montré les écheveaux, j'aurais même pu dire, bah tiens, ça, à mon avis, c'est pour un tel, ça, c'est pour une telle. C'est... Je pense que chacune a vraiment fait très attention de coller au plus possible au goût des autres. Et donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc Aurore, encore un très 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 grand merci. Une fois de plus, mais qu'est-ce... enfin, je sais pas de quoi dire d'autre, mais je me trouve très très chanceuse. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, je crois que le Père Noël doit donc regarder mon podcast, puisque j'ai reçu mon petit set d'aiguilles. Et c'est avec celle-ci que je suis en train de tricoter ma chaussette. J'avais commandé pour mon anniversaire le... En fait, pendant très longtemps, j'ai tricoté avec des circulaires en bois de chez Knit Pro. Oui, j'ai un petit bout de laine qui me gratouille le nez. Donc, je tricotais avec les aiguilles circulaires de chez Knit Pro, les symphonies en bois de rose, et qui ont tout à fait fait le job pendant longtemps. Mais j'avoue que j'avais envie de revenir à du métal, quelque chose qui glissait un peu plus facilement que le bois pour moi. Moins fragile aussi, puisque j'avais, enfin, a priori moins fragile, puisque j'avais cassé certaines des aiguilles, ou certaines beaucoup utilisées à force, c'était émoussé au bout et c'était désagréable. J'en avais une notamment qui faisait, il y avait comme un petit éclat en fait dans le bois qui raccrochait la laine, c'était vraiment très pénible. Donc voilà, pour mon anniversaire, j'ai donc demandé à recevoir le kit de circulaire interchangeable de chez Xiaogu. Et je les trouve topissimes, franchement, j'adore. Le câble, pour moi, il est super bien. Enfin voilà, donc c'est mes aiguilles préférées. Du coup, quand je réfléchissais là pour Noël, je me suis dit que le kit de petites aiguilles circulaires interchangeables pour notamment les manches, notamment les chaussettes et tout ça, ça pourrait être pas mal. Pour celles qui ne connaissent pas ce kit, je vous montre juste. En fait, vous avez, alors attends voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles d'aiguilles dedans. Mais à chaque fois, les 6 tailles d'aiguilles sont dans deux tailles différentes. Donc, hop. Oh là là. Excusez-moi pour la luminosité. C'est pas beaucoup mieux. Oh, mince, il fait moche moche. D'un coup, ça s'est encore assombri si c'était possible. Donc, elles sont en deux tailles. Deux tailles d'aiguilles. Et du coup, quand on tricote en rond, moi je trouve que c'est voilà, c'est la même taille d'aiguille, mais en deux longueurs différentes. Et je trouve que quand on tricote en rond, c'est agréable pour moi d'avoir une aiguille un peu plus grande dans la main gauche pour mieux la tenir et plus courte dans la main droite pour faire des mouvements plus faciles. Donc voilà, ce petit kit d'aiguilles. Alors c'est un investissement, ça coûte vraiment cher. J'espère qu'il sera rentabilisé. Il est déjà utilisé. Je vous avais dit que je l'attendais impatiemment pour mettre les manches de mon pull dessus. Ça s'arrête au 3,25. Mes manches sont tricotées en 3,5. Est-ce que je suis dégoûtée? Oui, totalement. Mais bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à acheter une paire d'aiguilles en 3,5. Hein? Et voilà, puis il y avait des petits câbles. Alors, c'est minuscule, hein. Franchement, les embouts sont. Faut pas. Moi qui ai un petit peu des gros doigts, c'est tout simplement minuscule. Même le câble, il est tellement fin. Je ne sais pas si vous allez voir là avec cette luminosité toute cracra. Mais donc, ouais, c'est tout petit petit. On a l'impression d'avoir des mains de géant en fait quand on tient ça, c'est un peu étrange. Mais voilà, j'arrive moi à bien bien tricoter avec.
Donc voilà, petit cadeau du Père Noël qui est en plein dans le mille, hein. À part la paire de 3,5, la Père Noël, franchement. Que me reste-t-il? Mais que me reste-t-il quelque chose de très important? Le tirage au sort des invitations pour le festival exceptionnel que je vous représente. Festival qui se tiendra les 13 et 14 février 2021 à, je suis obligée de regarder le nom à chaque fois, Mansiol, dans le 54, avec des invités absolument topissimes. Donc, autant vous dire que je croise les doigts, mais sérieusement, je vous avoue que si ce festival n'a pas lieu, Kathleen nous a prévenu que si ça n'avait pas lieu, elle pleurait, mais je crois que je vais pleurer avec elle, hein, parce que... Alors Kathleen, c'est la personne donc, qui est à l'origine de ce festival et qui organise tout de A à Z et qui est d'une efficacité incroyable. Enfin, elle fait vraiment énormément. Elle a été démarchée, toutes les teinturières, les créatrices, les personnes qui sont, les exposants qui seront présents. Et ouais, c'est elle qui fait tout ça quasiment toute seule. Donc franchement, chapeau Kat, vraiment. Et puis donc elle m'a fait gagner des petits... Enfin, elle m'a fait gagner. Elle m'a proposé de vous faire gagner des invitations pour le festival. Et j'ai deux invitations de deux personnes. Je me suis dit que j'allais faire le tirage au sort, hop, en direct. Alors j'ai noté les personnes qui ont donc participé à ce concours. C'était sous ma vidéo de la semaine numéro 2 du Vlogmas. Et on va faire... Alors, j'ai 14 personnes qui sont inscrites et on va faire... Dis Siri, choisis un numéro entre 1 et 14. Un nombre aléatoire entre 1 et 14 font 3. Alors, la première, c'est la numéro 3. Et sur ma liste, la numéro 3, c'est Véronique Panetier qui m'a contactée. Oh oui, puis Véronique, elle m'avait mis un petit message. Je demandais de laisser un commentaire pour dire quel exposant vous étiez le plus impatient de rencontrer lors du festival. Et Véronique, elle a dit que c'était moi qu'elle était impatiente de rencontrer. Alors, bah, ça m'a... bon, enfin voilà, j'étais hyper touchée. Donc, bah, Véronique, vous êtes tuée, je ne sais pas, la première gagnante de ces deux places pour le festival. Dis Siri, choisis un numéro entre 1 et 14, sauf 3. Un nombre aléatoire entre 1 et 14 font. Le numéro 1. Et le numéro 1, c'est Ingrid Au-delà des mailles. Félicitations. Que je ne connais pas non plus, mais pas... Ah, qui doit être en Belgique, il me semble. Ah, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ça ne fait pas trop trop loin pour venir. Je vous montre, hein, c'est très... Certains utilisent des random générateurs de numéros. Moi, j'ai fait une liste à la main. Et bon, quand même. Hein, j'aurais pu mettre dans un chapeau et tirer au sort. Donc, Véronique Panetier et Ingrid Au-delà des mailles, vous êtes les heureuses gagnantes de ces invitations pour le festival exceptionnel. Vous m'envoyez un petit message dans les commentaires là en dessous et puis on essaye de se mettre en contact pour que je récupère vos adresses et que je puisse vous envoyer ça le plus rapidement possible. Et voilà, félicitations à vous. Et puis pour les autres, je rappelle que l'entrée est au prix exorbitant, hein, de 2 euros. Donc, moi déjà, il était hors de question que Kathleen me donne une invitation pour moi. Je veux payer ma place, je veux que ce festival fonctionne et qu'il marche dans le temps, quoi. Oh là là, si seulement. On croise tout ce qu'on a. Franchement, il faut absolument que ce festival ait lieu, ça serait tellement chouette. Dernière chose. J'ai pas encore donc de projet à venir, enfin légèrement, mais voilà, j'ai pas trop encore eu le temps de me poser et tout ça. Mais
Je vais terminer donc ma paire de chaussettes que je vous ai montrées et c'est la 12e paire de chaussettes que je vais mettre dans ma boîte de bas. Et donc, je vais logiquement pouvoir m'offrir ma boîte de bas pour le 1er janvier 2021. Et je vais donc avoir 12 paires de chaussettes à totalement neuves et tricotées par mes soins, ou presque, à pouvoir porter tout au long de l'année 2021. Et du coup, je pense que je vais refaire la même chose pour l'année prochaine. Et du coup, j'ai vu le dernier podcast de Emma Tricolibri, et à qui je fais un gros coucou et que je remercie vraiment vraiment très très fort, puisque elle a parlé de ma chaîne sur son dernier podcast avec des mots très gentils et très élogieux, donc ça m'a vraiment vraiment touchée. Et puis en plus c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup suivre, et depuis plusieurs mois, donc j'étais encore plus touchée qu'elle ait mentionné ma chaîne sur sa dernière vidéo. Très très touchée. Et elle disait que pour l'année qui vient, donc elle aussi se fait une nouvelle boîte de bas, et a priori elle va tricoter les paires de sa boîte de bas grâce au modèle qui se trouve dans ce magnifique livre. Je ne vais pas vous présenter ce livre, j'imagine que vous le connaissez. C'est le 52 Weeks of Socks, pardon, de Laine Magazine. Et moi, ce livre m'a été adorablement offert par ma super copine Julie, qui me gâte aussi très très régulièrement. Enfin, je me rends compte que je n'ai que des cadeaux en fait à vous présenter. Donc voilà, ma super copine Julie qui me gâte très très régulièrement avec des cadeaux laineux. Et là voilà, en l'occurrence, elle m'avait offert ce bel ouvrage. Et pour l'instant, je n'ai rien tricoté qui vienne de ce livre. Ou plutôt si, j'avais mis une paire de chaussettes sur mes aiguilles qui étaient les Dearbjorn. Et fort coup de pied oblige, pareil, c'est des toe-up. Quand je suis arrivée au moment du coup de pied, ça ne passait pas, ma bonne dame, puisqu'il y a un motif sur tout le long de la chaussette. J'essaye de les... Bon, on ne les verra pas mieux que en tout petit comme ça, donc... Donc ça m'avait un petit peu... Voilà, j'avais été un petit peu triste de ça, et puis de toute façon j'avais d'autres choses à tricoter. Mais je crois que je vais rejoindre Emma et que je vais essayer de me tricoter 12 modèles issus de ce livre, parce qu'il est vraiment trop beau pour... Les modèles sont magnifiques et c'est vraiment trop beau pour juste être... dans une bibliothèque sans s'en servir. Donc, je n'ai pas encore établi de plan précis pour l'année, mais je pense que c'est une des choses que je vais faire là pendant les vacances. Repérer 12 modèles qui me font vraiment de l'œil dans ce livre, voir ce que j'ai dans mes laines qui pourraient me permettre de réaliser ces modèles, ou du coup, acheter de la laine pour ces futurs projets. Voilà. Il me semble que c'est tout. Du coup, je pense que je vais faire une petite pause de vlog, profiter un petit peu des vacances de mon chéri, des enfants. Alors, je sais pas ce qu'on va profiter, parce que vu le temps qu'il nous annonce pour les jours à venir, moi qui rêvais de grandes balades et tout ça, je sens qu'on va repasser. Mais bon, ma foi, on va essayer de faire quelque chose de doux et de sympa tous ensemble. Et puis du coup, je reviendrai probablement début mi-janvier pour un épisode probablement sur ma boîte de bas. Avant que je les porte, je pense que je vais vous montrer tout ce que j'ai tricoté tout au long de l'année, sachant que je n'ai commencé à tricoter des chaussettes que cette année. Je n'en avais jamais fait avant, donc... Donc voilà, je pense que je suis devenue un petit peu addict. Et pas qu'un petit peu d'ailleurs. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Vous remercier encore vraiment du fond du cœur
pour le fait de revenir ou les personnes qui se sont abonnées là ces derniers temps, ça m'a fait super plaisir aussi. Alors que la pluie redouble. Voilà, donc vraiment vous remercier très très fort. Et puis j'espère que vous aussi vous avez réussi à trouver un petit peu de des petits bonheurs là dans ces temps de fête un peu particuliers, mais voilà, que vous avez réussi à mettre de la lumière dans votre quotidien, que vous êtes avec les gens que vous aimez, que tout le monde va bien. Prenez bien bien soin de vous. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans 15 jours, mais je vais quand même faire une petite pause parce que mine de rien, alors, et c'est pour ça que j'avais choisi de ne pas le faire de façon quotidienne parce que je pense que ça doit être exténuant. Ça n'a pas l'air de grand chose, hein, mais prendre le temps de filmer ces petits moments de vie et puis ensuite faire le montage, rajouter un petit peu de musique, faire quelque chose qui soit pas totalement aléatoire, enfin essayer de faire que ça soit joli, ça prend beaucoup de temps. C'est pas du tout, j'y connaissais rien du tout il y a 2 mois de ça, hein. Franchement, j'apprends à me servir de iMovie, j'en découvre tous les jours. Donc voilà, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ça va faire du bien aussi de se reposer un petit peu de ça, et je pense que je serai contente de retrouver aussi le chemin du podcast d'ici quelques semaines quand je me serai bien posée avec tout mon tricot. Puis du coup, j'espère que j'aurai des choses terminées à vous montrer et puis des nouveaux en cours. Voilà. Donc encore une fois, merci du fond du cœur pour tous vos retours. Prenez bien soin de vous et je vous dis à dans quelques semaines. See you later! Bye bye!